premier don, le don de crainte. Pour nous aujourd'hui, ce mot est synonyme de peur, trouille, effroi. Dans la Bible, il désigne le respect, l'adoration du croyant devant l'infinie grandeur de Dieu. L'Esprit Saint, par le don de crainte, nous délivre de toute angoisse et nous apporte la paix. En même temps, il nous inspire une profonde aversion du péché. Il nous enracine dans l'humilité. Nous sommes tout petits devant Dieu, mais infiniment précieux à ses yeux. Ce qui évite l'orgueil, mais aussi le désespoir. L'esprit de son fils qui crie, Abba, Père. L'esprit Saint. L'esprit Saint met dans nos cœurs la tendresse de Jésus pour son Père, ce qui nous permet d'avoir une authentique relation filiale avec lui. Quel que soit notre vécu familial et l'image que nous avons du Père. Ce devoir de piété filiale s'étend d'une manière toute particulière à Marie, à l'Église et aux prêtres. Il nous rend plein de respect pour le Seigneur et ceux qui croient en lui et nous pousse à les faire respecter. Avec douceur, mais fermeté. Il n'est pas réservé aux martyrs. C'est lui qui nous permet de persévérer dans les petites choses du quotidien, de sourire même quand on va mal, de garder le silence lorsque nous avons envie de critiquer.
accomplir la volonté de Dieu. Et il apprend l'espérance, l'obéissance. Il nous rend apte à prendre des décisions et à discerner quels moyens concrets seront les meilleurs pour remplir notre mission. Le don d'intelligence n'a rien à voir avec le culte. Il s'agit de l'intelligence spirituelle qui nous fait connaître, voir, sentir, même imparfaitement, ce que nous voyons. C'est lui qui rend les enfants capables d'aborder les réalités divines de manière très juste. Le don d'intelligence vient parfaire la vertu de foi et fait de nous des chercheurs de vérité.
remercions le Seigneur pour tant d'amour.